Salut à tous et à toutes, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, enfin particulière, dans le sens où on va aller mater Gearhearth. Alors j'espère du moins, j'espère ne pas me fail, il reste deux attaques, si jamais à la seconde je ne réussis pas, je terminerai à la troisième attaque, du moins je l'espère. Je vais vous montrer d'abord la première attaque, histoire que vous compreniez bien qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça s'est passé, quoi. Alors, on y va, c'est parti voir la bataille. Alors, ma cible, enfin mon objectif était de détruire les deux générateurs de boucliers qui donnaient énormément de vie au QG. C'était derrière très compliqué, même en 3 attaques en full Zuka pour terminer ce QG en focus QG. Alors, je me suis dit, on va booster comme un porc. On va les détruire en guerrier, ces petits. Ces deux petits générateurs de boucliers. Et c'est ce que je vais faire très rapidement. Avec quelques fumigènes, je me place autour du premier générateur de boucliers. Je vous zoome un petit peu histoire d'y voir un peu mieux. Alors, je vais pas freeze sur la droite parce qu'il n'y a que des tours de sniper. Je vais balancer une bestiole, deux bestioles. Je freeze les mortiers et lance électrobombe. Derrière, je viens cibler le second générateur de boucliers que je détruis immédiatement. On dirait un commentateur de foot. Et derrière, bon ben après, voilà, je viens balancer toutes les artilleries que je peux balancer sur le QG. Et c'est terminé, mes guerriers se sont fait lapider, ce qui est tout à fait normal. Voilà, on est sur Gearhearth, je vous le rappelle. Alors, donc là, je vais faire un live. Alors déjà que je n'y arrive pas quand je suis pas en live. Alors, un live, c'est encore plus compliqué. Donc, dans l'absolu, vous l'aurez compris, j'ai éliminé les deux générateurs de boucliers qui se trouvaient ici. Je vais venir me placer juste avant les deux chefs-d'œuvre. Voilà, de glace. Et donc tout ça en fumigène, bien entendu, parce que sinon je n'irai pas loin. Le rayon laser me détruit. Donc, alors, je vous fais le chemin. Je débarque ici. Juste là. Une fois que j'ai débarqué, je vais venir me placer juste là, à peu près. Juste au-dessus de ce matériel d'usine. Et une fois que je suis placé, je focus donc le QG, je viens friser ici, et je vais friser le rayon laser et le reste. Je serre les fesses, je prie, pour réussir à éliminer plus de 550 000 de vie. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça que je me suis boosté comme un porc. J'ai utilisé et boosté toutes mes statuts d'attaque, que ce soit énergie de la canonnière, santé des troupes et dégâts des troupes. Tout est boosté à fond. Je suis chargé comme une mule, comme un gros porc sous stéroïde. Voilà. C'est dit, on y va, les amis. J'ai récupéré, hop, allez, un petit coffre avec 3 diamants dedans. C'est toujours ça de prix. Alors. Bon, les amis, si je me faille ici, je sais pas ce que je fais. Ok. Donc, vous allez tous venir ici. Allez, les amis. Allez, mes chéris. Venez tous ici. Pêchez-vous. Hop. Tac. Alors, je préfère maximiser mes... du moins mes petites zouquettes, parce que si je prends un laser, regardez, ça va faire très mal. Je vous l'annonce, ça va faire très mal. Alors là, je me suis placé, replacé et replacé. C'est pas forcément... Oh non! Putain, c'est pas possible. Voilà ce que je ne voulais pas faire. Je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai trop déplacé mes petites zouquettes. S'est passé là. Oh putain, je l'ai. Bon, les amis, c'est le plus gros fail de ma vie. J'ai envie de tout casser, absolument tout casser. Je vous l'annonce. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est spectaculaire. Je pense pas que si j'aurais voulu le faire, j'y serais arrivé. Mais j'ai fail comme une grosse merde en étant tout boosté. Voilà, je le savais, j'ai pas fait attention. Bon. Je tenterai
la troisième attaque. Enfin, je vais la tenter. Pour vous, ce sera dans 3 secondes, parce que même si je me fail, dans tous les cas, vous allez couper. Mais autant vous dire que là, vous commencez à lire sur ma tête que ça m'a vraiment gonflé. Parce que j'ai raté un putain d'électrobombe de merde. Désolé. Désolé, je suis en train de rager un petit peu. Cet électro-canon là qui me fait chier en 14 minutes, on va le mettre direct là parce que ça va me gaver. Hop. Donc, les amis, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais sous-estimer Gear Earth. Parce que ça peut vous coûter très cher. Putain, mais j'ai envie de me mettre des baffes quand je fais ça. Bon, les amis, on va couper et on revient juste après. Pour prendre la revanche, je vais regarder combien il reste de vie à Gear Earth. Putain, mais ça me gonfle. Ça me gonfle d'être aussi con que ça. 463 000 et je le finirai jamais. Je le finirai jamais. Bon. C'est pas grave, je vais vous le montrer et je marquerai sur la bannière le plus gros fail d'Arcane. Voilà, le plus gros fail parce que j'ai tout fait, j'ai tout boosté, je ne pouvais absolument pas rater ce Gear Earth et la preuve, je rate en live. Voilà, une erreur de placement, une erreur de freeze. Voilà. Bon les amis, je coupe et je reviens tout à l'heure. Bon les amis, c'est l'heure de vérité. J'ai passé 45 minutes à faire des pompes pour m'entraîner un petit peu, pour essayer d'améliorer mon doigté. Et surtout, ne pas me fail. Je vous cache pas que, quoi qu'il arrive, je vous publierai la vidéo. Donc, cette vidéo, vous allez la voir. Même si je me fail comme, je sais pas, comme une truie, comme ce que vous voulez. C'est pas grave, j'assume totalement. Ce serait pas la première fois déjà que je rate le Gear Earth, comme je vous l'ai dit. C'est à peu près habituel. Hein, voilà. Ça, c'est pas nouveau chez moi. Maintenant, ça me fait vraiment chier parce que là, honnêtement, elle était largement faisable, mais vraiment sans forcer, quoi, vraiment. Je mettais en plus de ça full boost exprès pour pouvoir passer tranquillement, être à l'aise, pouvoir discuter avec vous, vous raconter un petit peu ma vie pendant que j'étais en train d'attaquer, vous expliquer pourquoi je faisais ça et tout. Ben non. Non, à la deuxième attaque, gros fail. Extraordinaire. Alors là, ni une ni deux. On y retourne. Mais quand je vous dis que je suis boosté, je suis vraiment boosté. Hein. 1. Non, t'emballe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boosts pour le Gear Earth. Je vous annonce que j'y suis pas allé de main morte et que vraiment, je vais avoir les boules si je le rate. Bon. Reprenons calmement. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais cibler le QG que à la fin. C'est-à-dire que je vais cibler le QG direct. Je vais freeze. Laser, et pas oublier électro-canon, et surtout l'électro-bombe qui m'a fracassé littéralement tout de mes petites zouquettes. Bon, trêve de bavardage, mais c'est normal, je parle un petit peu, c'est pour essayer d'évacuer cette magnifique pression que m'impose ce Gear Earth. C'est complètement hallucinant. Par contre, je vous annonce, champagne si je passe. Je dis ça parce que je sais que je passerai pas, mais 463 000 de vie, autant vous dire qu'il va me falloir pas mal de temps, même si les zouquettes font énormément de dégâts. Allez, trêve de bavardage, on a fini de s'amuser maintenant, ok? Allez. Donc je vous l'ai dit, hop. J'ai opté pour un placement un petit peu plus près que tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va suffire. Voilà. Là, ils sont tous camouflés. Bon, là, les amis, je suis désolé. Je ne peux pas me fail. Enfin, je ne peux pas me fail. Je ne peux pas rater. Allez, on y va. Parti, les amis. Putain de mitrailleuse de merde. Voilà les amis, le fail en direct, je vous l'avais promis, je publierai cette vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben tout simplement sur cette deuxième attaque où je me vautre comme une merde, littéralement. Je rate toutes les pièces de prototype, j'en ai besoin, c'est affreux, c'est vraiment affreux. J'en peux plus bordel de merde, j'ai craqué 6 boosts.
qui ne m'ont servi strictement à rien parce qu'il a fallu que je patiente pour renforcer mes troupes. Et ça m'a pris pas mal de temps de reconstruire des zoukas, enfin des petites zoukettes. Si j'ai un petit retour d'action à faire, ce serait que je suis une grosse merde, tout simplement. Non, plus particulièrement, enfin on va revoir cette... bah non, de toute façon vous êtes en train de la voir là, que je suis con, moi c'est déjà un petit peu plus lointain pour moi, mais... Voilà, le placement a été bon sur la seconde attaque, même si j'ai pas mal hésité. J'avais vraiment peur que des zoukas sortent du rayon d'action du fumigène et donc bah, que je me prenne une volée par un lance électrobombe ou par le laser. Le problème, c'est que voilà, vouloir faire ça, j'ai trop voulu sécuriser, j'ai perdu énormément de points de canonnière. Et derrière, je me suis fait complètement fracasser par ce lance électrobombe que j'ai oublié. Voilà, j'ai complètement oublié de le freezer. Mon freeze était mal placé, très mal placé même. Pour me foutre les boules. Je vais juste regarder pour me foutre les boules combien il manque. Voilà, il manque 77 000 au QG, c'est-à-dire rien du tout. J'ai vraiment les nerfs, mais je vais publier cette vidéo. Ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est parce qu'il faut que, voilà, que j'évacue un petit peu la pression. Bon, c'est qu'un jeu, hein. On est là pour rigoler, et puis je suis là pour vous montrer un petit peu mes fails aussi, je vous l'ai dit, et puis regardez, c'est le cas, quoi, je vous les montre. Donc voilà, les amis, bon, voilà, je suis désolé, mais vous êtes obligés de vous abonner pour continuer à avoir des fails de ce genre. Oh, je vais faire une putain de miniature, là, c'est obligé. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir gardé cette vidéo, même si je me suis vautré en live complètement, c'est pas grave, c'est aussi ça. Le but de la chaîne, c'est de vous montrer tout ce qui peut se passer dans Blue Beach, et il se passe pas que des bonnes choses. Je vous laisse ici, abonnez-vous sur cette chaîne si vous voulez en voir un petit peu plus, si vous voulez voir un petit peu plus ma tête aussi, et n'oubliez pas, je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, je le dis à chaque fois, mais c'est important, Facebook, Snapchat et Twitter, toutes les informations sont juste à côté de moi là, et aussi dans la description. Salut les gars, c'était Arcane, ciao!